Assalamu alaikum. Mec, on va faire comment, hein? Tout là sont beaucoup jusqu'à la magie seulement. Mec. En cas pour plein tuyau. Puis là, je suis pris là. J'avais des choses que je vais envoyer en Afrique du Sud. Quoi? Pourquoi tout ce qui va partir chez nous en Afrique coûte cher comme ça là? Voilà les cafés. J'ai une grosse commande. Voilà les cafés. Café pour la faiblesse sexuelle. Voilà les thés. Le thé pour le cancer. Thé pour le cancer. Thé pour maigrir. Voilà. Le thé détox pour perdre le poids. Thé pour cancer. Voilà. Il y en a beaucoup, hein. Encore le thé de quoi là même. Ouais. La vie n'est pas facile dehors. Je te balade comme ça avec plus de 200 kilos. Ouais. C'est peut-être à quoi on fait. Et comment la famille? Est-ce que vous allez très bien? Pourquoi vous me taguez partout, hein? Vous me taguez pourquoi? Vous me taguez pourquoi? Pourquoi vous voulez déconcentrer les gens? On a beaucoup de choses à faire pour le Cameroun. Hein? Vous me taguez pourquoi? On travaille. Je suis trop loin pour blaguer avec ma vie. Quand un mois passe là, et que tu n'as rien réalisé, tu te rends compte que c'est un manque à gagner. On est trop loin pour blaguer, les gars. Hein? Dans la vie, il y a ceux qui aiment la distraction. Jouer. Non. Tu joues, ta vie va jouer avec toi. Tu te concentres, ta vie aura un sens. Tu blagues, tu vas gagner beaucoup d'argent. Mais tu vas blaguer avec ton argent. Hein? C'est comme ça la vie. C'est ça la vie, c'est ça. Les gens pensent que non, tu peux avoir beaucoup d'argent. Mais comme tu aimes blaguer là, ta vie n'aura pas de sens. Parce que you are not focused. Il faut te concentrer, toujours être concentré dans la vie. L'essentiel n'est pas d'avoir un bon salaire. L'essentiel n'est pas de réussir dans les affaires. C'est qu'est-ce que tu as réalisé de ce que tu as gagné dans ta vie. C'est ça le plus important. On a connu des grands frères. Ils venaient en banque avec les grosses voitures. Ouh, ils pétaient les plombs. Ils vivaient bien sans l'heure. Mais aujourd'hui, il discute la maison de ses parents avec ses frères. Alors que c'est lui qui venait avec les grosses voitures en Banga quand nous étions petits. Aujourd'hui, c'est lui qui discute la maison familiale avec ses frères. Aujourd'hui, c'est lui qui discute le champ avec ses frères. Quelqu'un qui a passé plus de 30 ans à Douala, Yaoundé, il vivait, il était en pleine forme. Parce qu'il a passé son temps à blaguer avec sa vie, petit frère. On est trop loin. Et la blague là, c'est une affaire d'habitude. Il y a des gens que depuis le Cameroun, ils blaguent avec leur vie. Ne blague pas avec ta vie, petit frère. Tu es trop long pour blaguer avec ta vie. Tu en plus, non? Regarde comment la voiture est chargée. La voiture est chargée. C'est chargé. C'est les cacos. Voilà les produits pour la douleur. Si tu as la douleur. Voilà. Si tu as mal partout, là, aux articulations, au dos. Voilà. Il y a le produit pour l'hémorroïde. Hein? Il y a le produit pour l'hémorroïde. Voilà. Il y a le Super Magic. Pour la faiblesse. Pour l'éjaculation précoce. Voici le thé de Bornéo. Pour la faiblesse sexuelle. Petit frère, on est trop loin pour blaguer avec la vie. Faut pas blaguer avec la vie. Hein? Tu vois un peu, non? Faut pas blaguer avec la vie. Petit frère, c'est un détail. La voiture, c'est une nécessité. Nous ne sommes pas ici en Afrique. La voiture n'a pas sa place. C'est pour bouger, c'est pour rouler petit.
Ah, tu vois un peu, non? Il ne faut pas parler de ça. Il faut te concentrer. On est loin de notre famille. On est loin de nos femmes. On est loin de nos enfants. On est loin de nos parents. Il faut te concentrer. Il ne faut pas seulement taper sa poitrine. Que wow, 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 je suis en bain, je suis en bain. Et puis quoi alors? Tu as fait 20 ans en bain. Tu as porté, tu as quoi? J'étais. Tu parles de ton passé. Tu parles du passé. J'étais. Oui, tu étais. Qu'est-ce qui prouve que tu étais hier? Quand Banga Diaspora parle, oui, Banga Diaspora avait eu l'argent auparavant. Les preuves sont là, non? Ouais, je vis dans 600 mètres carrés. Les preuves sont là. Ça montre que, oui, c'est comme Banga Diaspora a dit, c'est vrai. La maison familiale ne m'attendra jamais, mais c'est ça. On dit que non, ne dit jamais. Jamais comment? Même si je perds tout un jour, j'ai les enfants. Bof, je les éduque, je les envoie dans les bonnes écoles. Je les envoie dans les bonnes formations. Ils vont me nourrir. Et c'est ça. Et c'est ça. Que, oh, on ne sait jamais. Comment on sait jamais comment? C'est que si un jour nous tous on va mourir. Hein? Voilà. De la manière que tu dresses ton lit, c'est de la même manière que tu dors. Ne blague pas avec ta vie, ne perds pas le temps. Et autour de nous, dans notre vie, au quotidien, il y a des personnes qui sont là seulement pour nous perdre le temps. Qui aiment la blague. Même dans nos familles, on a des enfants, des petits frères qui aiment que blaguer. Même ta femme, à un moment, ne rit pas avec elle. J'ai compris ça depuis un moment de ma vie. Tu ris avec ta femme. Vous allez dormir là le matin. Elle ne doit pas penser si toi, tu vas prendre le petit déjeuner. Mais oui, même nos parents vivaient avec nous. Est-ce que nos grands-parents riaient trop avec leur femme? Ils ne riaient pas trop avec sa femme. Et ça ne fait pas ce qu'il déteste. Non, ça ne veut pas dire qu'il déteste sa femme. C'est un mode de vie. L'amour, c'est les yeux. C'est l'acte que tu poses. Un homme n'a pas besoin de dire à sa femme que je t'aime. Tu as dit ça le premier jour. Assume ton devoir conjugal. Tu seras un vrai mari. On mange, je t'aime. C'est la femme qui doit dire à son mari que chérie, je t'aime. Fais des petits discours. Comment était la journée? Une femme qui ne connaît pas faire ça. Elle n'est pas romantique. C'est une sauvage. Elle n'est pas différente d'un animal. Parce qu'un animal cajole son mari, la femme. Elle cajole son mari. Tu peux avoir un mari qui travaille. Tu ne lui tiens pas les beaux discours. Tu ne teins pas la lumière. Tu lui mets les bougies en couleur. Tu l'accueilles. C'est lui ton chef. Quand un mari travaille dur, il mérite le respect. Les bonnes causeries, tu le flattes, c'est ça. Parce que l'homme pose les actes, il donne à sa famille ce qu'on appelle la sécurité sociale. Il n'a pas le temps pour dire je t'aime. Non, il t'a dit ça le premier jour que je t'aime. Il t'a pris, il t'a confiné devant tes parents et devant les hommes et devant Dieu. Il a fait de toi sa femme. Voilà son je t'aime là-bas. Il y a des gens qui te disent je t'aime jusqu'à jamais vous ne faites rien ensemble, vous n'allez nulle part. Après un matin, tu te retrouves chez tes parents sans rien. Mais un homme qui dit je t'aime une fois, il te prend, il ne dit plus je t'aime, c'est un travailleur. C'est un vrai homme. Voilà, j'adore que moi je veux que ma fille épouse un jour dans ma vie. Un homme qui est comme son père. Oui, un beau-fils qui est comme son beau-père, que je t'aime par rapport à quoi? On dit je t'aime par moment, mais pas chaque fois. Je suis un homme. Qu'est-ce qu'il y a à foutre? Je travaille. Je te dis, je te promets l'avenir. Tu n'auras jamais faim. Je dois m'occuper de toi. Je dois me battre pour qu'on ne se moque pas de nous, pour qu'on ne nous coupe pas la lumière, pour qu'on ne manque pas de quoi manger. C'est ça un homme, petit. C'est ça un homme. Quand les hommes parlent, tu dois parler. Parce que tu es un homme, tu payes tes factures. On ne renvoie pas tes enfants à l'école. Tu vas voir un homme, je t'aime. Je t'aime, il t'envoie prendre l'argent dans ta famille pour venir l'aider. C'est pas un homme là-bas, c'est une femmelette. Il ne mérite pas le respect. Il ne mérite aucun respect. Ta grâce, ma soeur, c'est de trouver un homme capable. Que même si tu es malade, que tu travailles, ça ne le gêne en rien. Voilà un vrai homme. Tu travailles ou pas, ça ne le gêne en rien. Tu es sûr qu'il porte sur sa tête à 90% les charges de la famille. C'est ça un homme. Même quand il se repose, même sur le lit d'hôpital, ses investissements continuent à nourrir la famille. Voilà un vrai homme. Alors j'adore que moi, je veux qu'il épouse ma fille comme le père de sa femme. Mais pas les hommes qui vont venir m'emmerder. Oui, on connaît dans la vie, il y a les hauts et les bas. Mais pas que ça dure. Ton petit frère, c'est maintenant. Tu es loin. Où que tu te trouves, bats-toi dans la vie. Même les femmes, j'adore toutes ces femmes-là. Voilà. Comme Magnelli, les femmes qui font des petits business. Hein? Les femmes comme les Vicky, comme ça. Les Maltes, hein? Qui sont en chantier au Cameroun. Voilà, les femmes.
Les femmes qui se battent, la reine galloise avec ses enfants, elle porte tous ses enfants. Oui, elle parle souvent de l'homme parce qu'elle veut titiller le père des enfants. Oui, mais tu sens une femme forte. Une femme forte. Voilà le genre de femme qu'on a besoin. Des femmes pareilles. Imagine que tu as une femme comme ça là. C'est que pas apporter dans ta vie de plus. L'homme n'a que besoin de ça. Et ce sont toutes ces responsabilités là, les déceptions de la vie qui amènent les gens à mourir avant l'âge. Ouais. Donc petit frère, méfie-toi. C'est les regrets qui vont te tuer. Est-ce que tu comprends? Voilà. L'homme doit se battre. Ouais, l'homme doit se battre. L'homme doit se battre. Il ne faut pas regretter. Donc, petit frère, la voiture n'a pas sa place. Donc, voilà. Vous voyez dans la voiture, c'est plein partout. Voilà. Donc, voilà. Dans la reine galloise, dans quelques jours, tu auras ton jus de canne. Tu auras bientôt. La vie, c'est le Shiba. Oui! La vie, c'est le Shiba. Que le Shiba? Mais attendez. La vie, c'est la magouille, petit. La vie, c'est la maman et le Shiba, non? La vie, c'est le Shiba. Le Shiba. La vie, c'est le Shiba. La maman et la magouille. Le motion dans le motion. Le changing motion. Tu prends comme ça, tu déposes là-bas. Tu marques, tu m'appelles. La vie, c'est ça, le Shiba. C'est un langage camerounais. Le Shiba. La vie, c'est ça. Dans le bon sens. Être un homme wise. Tu vois un peu? Voilà. Là, tu vois un peu? Donc voilà. Ok. Dans la vie, c'est le Shiba. La vie, c'est le Shiba. Il faut toujours se battre dans la vie. Qu'est-ce que j'ai à causer à celui-là? Tu parles que. Petit frère, dans la vie normale, est-ce que tu vas me comparer à certains gens? Moi, voici au bout du monde. Tu dis bien au bout du monde. Tu me compares à quelqu'un que ça ne fait pas 3 ans qu'il commence à entrer dans l'avion. Moi, j'entre dans l'avion depuis ça fait 24 ans. Comment tu me compares? Vous êtes tous dans la distraction. Que tu as dit que celui-là. C'est ça, parce que quoi? Tu as de l'estime pour lui. D'ailleurs, tu es sûr de toi que non, celui-là a réussi vrai. Quelqu'un qui faisait 3 millions du peuple en quelques 2 ans, il a investi 500 millions. Pour toi, automatiquement, tu penses qu'il a réussi. Non, pour toi, c'est ça. Qu'il a dit qu'il ne répond pas aux gens qui vendent les ossements humains. Tu peux venir chez les blancs, tu vends les ossements humains, tu t'en sors. Tu peux venir chez les blancs là. Pendant les années, tu viens dans les aéroports, tu fais le mal là. Tu blesses, tente seulement de blesser là. Blesse seulement là. Tu n'as pas pour 2 ans. Tu ne vois pas comment on traque les gens partout. Les violences conjugales, tout ça. Et tente seulement, tu viens chez les gens. Tu es étranger dans les. On parle des vrais pays. On parle quoi là? Il y a la sécurité au Cameroun. Tu peux faire n'importe quoi. Tu prends ta route. Tu sors par la route. Tu pars. Mon ami, on est ici depuis les années. Depuis les années, on est ici. On vient, on part. Donc ça veut dire que je vends les ossements. Hein. C'est bien pour toi, petit. Quand tu as à rire. Mon ami, je suis égérie de Super Magic. Ça fait au moins 10 ans. C'est un truc que je vends depuis au moins 10 ans. C'est Corona qui m'a fait perdre mes clients de l'Angola. Et tu comprends? Voilà, je faisais ça en conteneur. Les Super Magic. Hein? Donc, j'ai les choses que je faisais auparavant. L'appareil pour réduire la consommation de lumière. C'est des choses que je vends depuis au moins. Depuis quand? Ça fait 14 ans. Voilà, quand j'ai quitté l'Europe. Jusqu'à venir en Asie. Quand j'ai traversé la Libye, là. Commencé à partir au Cameroun. Les pays arabes que j'ai fait, là, Dubaï, tout ça. Écoute-moi bien. Après, quand j'ai découvert l'Asie, monsieur. Je vends les digital serveurs depuis les années. Tu crois les digital serveurs? C'est les disjoncteurs pour réduire la consommation de lumière. Hein, tu comprends? C'est un appareil qui réduit la consommation de lumière. Donc là, j'attends l'argent, je veux faire un conteneur. Je veux faire un conteneur de digital serveurs. Donc comme là, j'ai l'exact, j'ai au moins 10 000 commandes. J'ai au moins 10 000 commandes. C'est là toujours. Non, petit, on va tout vous embrouiller comme ça, petit. Je ne suis pas riche, mais je suis un bon débrouillard. Et le dehors m'a tout souri. Je n'ai jamais connu la souffrance hors du Cameroun. C'est le Cameroun qui nous prend tout. Donc calmez-vous un peu là. Non. C'est le paresseux qui souffre dehors. Je suis dans un pays industrialisé, je souffre. Un pays qui fabrique tout. Je souffre comment?
Ils ont les champs ici. Tu veux le théo qui va faire, tu dors beaucoup, tu trouves. Tu veux le théo pour la goutte, tu trouves. Tu veux, mais comment? Tu veux souffrir comment? Comment? Au Cameroun, on ne fabrique rien. Moi, j'envoie là au Cameroun, ça commence comment? Je n'envoie pas 5 francs. Je n'envoie pas 5 francs au Cameroun. Un Camerounais rentre là, je lui donne le sac, si plan, tu pars avec. Le jour que l'autre va partir, il dit que voilà encore l'autre, plan, tu pars avec. On charge la boutique. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, est-ce que tu as encore besoin de la boutique? Tu as besoin de la boutique, mon frère. Tu vends en ligne. Quelqu'un qui a besoin, il appelle. On envoie le numéro, il part, il prend sa part. Terminé, mollo, mollo, petit frère, c'est ça la vie, en fait. C'est ça la vie. Petit frère, ça n'empêche pas, comme il te dit que la vie, c'est le Shiba. Ça n'empêche pas qu'en me baladant là, je vois un sac d'argent que je porte. Mais oui, petit, je ne suis pas chez moi. Regardez pas un salopard comme ça là. Regardez, ils sont allés au manso. Petit frère, petit frère. En me baladant comme ça, je vois un sac d'argent, elle laisse. Je suis chez moi ici là. Et moi, un tintin comme ça là. C'est le lait que Total te donne au Cameroun là-bas. Je crois que je suis un enfant de cœur, petit. Un salopard comme ça là. Oh, il va toucher 100, c'est 1000 euros tous les mois, 2000 euros. On dit déménagement, tu ne peux pas choisir une bouteille, un bon vin que tu mets à côté. Tu es bête dans ta tête, petit. Tu es bête même. Donc tu es chez les gens. Hein? Donc la vie, honnêtement là. Petit frère, c'est vous qui ne voulez pas vous assumer. Nous, on est wise, on vous dit la vérité. Tu es loin de chez toi. Donc ça veut dire qu'on appelle ça, tu es au front, petit. Moi je suis au front, petit. Je suis au front. Ce que je vois, je fais. Ce que je ne vois pas, je ne fais pas. Non, 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 pas besoin. Elle a besoin du projet. Moi je veux que les gens réalisent les projets que je réalise, petit. Mon ami, ma vision n'est pas la vision des autres. Je dis tout ce que je fais en public parce que je m'en fous. L'essentiel, c'est d'être vrai dans ce que tu veux faire. On a tous la même vision. Parfois, on a même les mêmes projets. Mais l'essentiel, c'est de réaliser. Est-ce qu'on a la même détermination alors? Hein? Est-ce qu'on a la même détermination? Ah, dégage, 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 dégage. On te dit d'être éveillé. Être éveillé, ça veut dire voler. Dégage, quitte-là. Bête que tu sois, quitte ma page. Je te blâme d'abord. Mbounga, on dit que quelqu'un au front, tu peux parler que n'encourage pas les gens à voler. Tota te fait cadeau au Cameroun. Bête que tu sois. Ramasse-le aussi. Mais Merenda, signalez-moi la page de la bête fille là. Que Merenda BCM. Regardez-moi celle-là. Tu vas voir, on la cache le derrière. Que n'embête pas les gens à voler. Vous savez tout quand on dit les choses qui vous intéressent. On dit la vérité. Un enfant qui au front doit être intelligent, doit utiliser son cerveau. Bête que tu sois. Quitte la mouf. On a besoin de toi ici là. Les gens que le père a envoyé dehors, elle est là, elle est même perdue. Tu vas voir qu'elle est même partie au Cameroun. Allons, garçon. Viens sur ma page. On t'a dit qui t'a invité ici là? Qui t'invite ici là? Je parle aux enfants des malheureux comme nous là, aux souffreteux. Je parle aux hommes qui n'ont rien, aux gens qui n'ont rien. Mouf, quitte. Bah, quitte là, dis donc. Tu vois, je suis un homme, voilà un gay, voilà un depso. Il y a encore un casseur derrière. Alors, ton père t'envoie dehors, tu viens. Qu'est-ce que tu fais pas dans le ghetto? Ici, c'est pour les gens qui souffrent. Ici, c'est pour les gens qui souffrent. Tu fais quoi ici là? On a les mêmes ambitions, mon frère. Mon frère, nous, nos parents attendent de nous. Toi. Tu attends de tes parents, malgré que tu as fait 20 ans en bain. Attends, attends, qui t'a dit? Attends, c'est tout le monde qui vole. C'est tout le monde qui vole chez les autres. Regarde-moi celle-là. Voilà Tota qui vous vole depuis des années. Regarde-moi celle-là comme ça là. Idiot, garçon. Regarde-moi celle-là qui pense là. C'est tout le monde qui s'en sort dehors. La vie, le front, on est au front. Le front, c'est le front. Le front, c'est le front. Je n'achète pas les fruits. C'est le spirit. Voilà, voilà l'autre. Voilà, voilà même le typiquement escroc, malhonnête. Il vient parler, il vient donner le son de vie. C'est qui de la mouf? Allô, Manso, qui t'a dit que j'ai besoin de toi ici là? On est au front. Alors, on est au front. Vous êtes nombreux à venir faire le sérieux alors qu'on casse que vos derrière. Vous venez parler fort. Vous cachez ce que vous faites. Vous êtes malade. Petit frère, là où tu travailles là, ok? Tu es libre de prendre le crédit. Le front, c'est le front. Voilà. Le front, c'est pour les hommes éveillés. Ce n'est pas pour les mouna bobo. C'est pourquoi beaucoup de mouna bobo échouent dehors. Parce que ils ne sont pas éveillés. Le front, c'est pour les waman. Ok? Voilà. Le front, c'est pour les waman. Le front, c'est le Shiba. Je vois un sac d'argent, je porte et rentre avec chez moi au Cameroun. Entre celui qui détourne l'argent du Cameroun, qui part investir dehors à Dubaï,
qui peut investir en France. Et moi, que peut-être quelqu'un qui a beaucoup d'argent a oublié le sac d'argent. Petit frère, ça veut dire que si en me baladant là, je vois un sac d'argent devant moi là, je porte non. Donc je vais aller remettre. Alors qu'au Cameroun, moi au Cameroun, je m'en vais à la banque. J'allais au Cameroun. J'ai pris comme ça. Je voulais 12 millions, on m'a donné 15 millions. J'ai pris les 3 millions, j'ai remis. Parce que là-bas, c'est mon pays. It's my country. Et tu comprends bien? Là-bas, c'est mon pays. Et tu comprends? Je suis allé à la banque au Cameroun. Je voulais 12 millions. On m'a donné 15 millions. Je remets parce que c'est mon pays là-bas. C'est ça, on dit un patriote. Les multinationales viennent là, les Areva. La France a la lumière en Agogo. Le Niger dort dans le noir. Ils ont pitié de nous. Et là, ma celle-là. Et puis, ici, là, ici, c'est là. Mais direct, c'est pour les grandes personnes. Si tu es naïf, ne viens pas ici, là. Ok? On ne gouverne pas le monde avec le cœur des bébés. Le monde, c'est pas comme ça. Le monde, c'est la géopolitique, la géostratégie. Les plus forts n'ont pas pitié de nous. Et tu comprends bien. Voilà. Le monde n'est pas comme tu penses, là. Donc, ma chérie, ou bien mon ami, tu es un homme-femme. C'est pas ton domaine ici là. C'est pas un direct qui est à ta hauteur. Ici, je m'adresse aux grands, aux gens qui sont wise, aux gens qu'on attend d'eux. Et tu comprends bien? Quand tu vois là comme ça, tes soeurs, sa soeur, ils envoient les dons parfois, les médicaments, oh, les chaises roulantes, oh, les chaises qui sont neuves là. Tu crois qu'ils ont plus ça? Oh? C'est souvent dans les magasins des hôpitaux. Quand tu vas là parfois, tu vois la diaspora faire des dons. Tu penses qu'ils ont plus ça? Oh? Tu crois qu'ils ont plus ça? Oh? Donc ne viens pas ici montrer que tu es pasteur ou bien tu es quoi. On n'a pas les mêmes ambitions. Moi, j'ai pris la route, le désert. Avec moi, c'était 80 000 pour entrer en Libye, pour arriver en Libye et me battre là-bas pour traverser. Toi, tes parents t'ont envoyé. Donc, on n'a pas la même vision. On ne peut même pas causer ensemble. Parce que tout ce que je vais faire, ça va t'énerver. Tout ce que je vais dire, ça va t'énerver. Parce qu'on n'a pas la même vision du monde, mon frère. Oh, oh. On n'a pas la même vision du monde. Chacun a sa vie, non? Tu vois un peu? Toi, tes parents t'ont envoyé en Beng. Tu es parti, tu as les diplômes. Malgré toutes les valeurs que tu devais avoir dans ta vie, tu n'as même pas réussi. Te voilà, tu es en train de me suivre. Comment tu peux suivre un enfant qui n'a même pas le doctorat, qui n'a pas fréquenté comme toi, à peine à le CP? Tu vois pas que c'est un problème? C'est toi qui dors dans ma page. Tu es abonné sur ma page, tu dors. Si j'étais comme vous là, les Mouna Bobo, parce que je ne vous suis pas. Oh. Vrai. C'est que je crée mon monde. Et je montre que je suis utile. Je montre vrai, l'éducation et la valeur que mes parents m'ont appris. Et en ce moment-là, je ne regarde pas le ghetto. Je ne regarde pas le ghetto. Mais vous êtes là, vous êtes dans les vidéos des gars du ghetto. Les femmes qui parlent du piment, c'est vous qui êtes là. Vous êtes scotché matin, midi, soir. Vous faites quoi là-bas même? Vous faites quoi dans les directs des gens, les enfants des pauvres comme nous, mon frère? Hein? Faites quoi ici? Regardez-moi les gens comme ça, mon frère. Vous êtes là, vous avez échoué. Vos parents vous ont envoyé en Europe. Tout et tout. Vous avez échoué. Maintenant, le gars qui a pris le désert. Le gars qui est parti là, il s'est battu à l'époque, il a trouvé son réseau, il a eu le visa, il est arrivé en Beng. Vous faites les comparaisons comment? Voilà une, c'est la fille de Kyo. Vous voyez, vous êtes méchants. Vous n'aimez pas écouter ce que nous on dit. C'est comme ça que la fille de celui qui a l'hôtel là, ou bien c'est l'hôtel là, ou bien c'est Kyo, au Canada, elle pas finger les sans-papiers. Pourquoi? Parce que vous avez de la haine de voir des personnes qui sortent de nulle part et qui viennent s'exprimer. Mais mon ami, pendant que tu partais à l'école, la rue m'enseignait. Tu vois un peu, non? Voilà pourquoi si on nous met sur un territoire, tu ne t'en sors pas, je te gagne. Je te tape. Comment? Oui, je suis passé par le Tchad, Niger, tout ça. Faire l'argent, coffre, traverser le désert. Toi, tu t'es où? M'apprends la vie, tu es malade. Ton français, là, ça, je n'en ai rien à foutre avec. L'espérance que j'ai, tu n'as pas. C'est choquant. Moi, à ta place, je passe sur ma page. Il faut sur ta page. C'est quoi vous êtes là chaque jour les débats stériles qui n'avancent pas. Nous on est pragmatique. Nous c'est le pragmatisme, c'est là. On ne remet pas à demain. Voilà les cartons. Nakako. Tu vois un peu non? Voilà. Et j'ai un boy plein. Dans vos histoires deux balles là, quand vous venez vous balader au direct des gens, il faut respecter ceux-là qui viennent de nulle part qui ont réussi. Par exemple, prouver, mais là, beaucoup de vous là, vous venez donner les leçons de vie, que oh, il parle mal français, oh, vous avez échoué. Sans la maison de vos parents, vous n'aurez jamais conçu une maison. Je connaissais de quoi je parle. Vous êtes des incapables. On vous a doloté en croyant qu'on vous éduque, on vous a détruit. Vous êtes bêtes. Quand vous partez au Cameroun, c'est pour aller vendre une maison du père.
Je connais certains qui ont tout vendu, même jusqu'à vendre même la maison familiale. Vous venez parler fort. Qu'on n'apprend pas les gens. Mon ami, je dis, petit frère, là où tu travailles là, tu trouves l'occasion, tu choisis, tu pars avec. Tu es mieux que ceux-là qui détruisent l'argent du Cameroun. Vous ne voyez pas là. Et tout dit, qui part chaque jour en bain, dépenser notre argent. Et toi, on va te dire que tu n'es rien. Mon ami, tu es Robin des Bois. Tu n'es pas un bandit. Tu es Robin des Bois. C'est ceux-là qui viennent au Cameroun faire les bruits là. Hein? Et qui finit tout là dans les snacks, ils ne font rien avec. Demain, ils deviennent les clochards. C'est eux là, on les appelle les bandits. Parce que l'argent qu'ils ont pris quelque part, ramené au Cameroun, au lieu d'en faire bon usage, ils ont foutu la merde avec. Mais quand tu quittes de n'importe où avec ton argent, tu arrives dans ton pays et que tu poses des actes, tu aides les gens. Monsieur, tu es un Robin des Bois. Tu es un Robin des Bois. Donc calme-toi un peu là. Et tu as compris? Et c'est ce que certains Camerounais n'ont pas compris. C'est ton peur, c'est ton honte de s'assumer. Tu as pris ton âme. Mon ami, c'est le ministre qui est un voleur. C'est le fonctionnaire, la verra. Je ne me cache pas au Cameroun. Le jour que moi, j'attrape mon argent, venez chez moi, on me dit que non, tu as pris l'argent sur où? Si deux personnes ne vont pas mourir là, que déclaration, déclaration de quel bien? On m'a demandé à celui que monsieur, tu as pris l'argent pour acheter. J'ai demandé au colonel là, que toi-même là, toi-même, tu as pris l'argent pour acheter la Mercedes là. Un colonel, comment? Vous allez vous habiter dans les grosses maisons. Attends, ça manque, tu vois, je suis fonctionnaire. Je suis élu du Cameroun. Est-ce que d'abord la loi est en vigueur d'abord même? L'article 66. Mon ami, mettez en vigueur. Pour que ça touche tout le monde. Et ça va commencer même par toi. Parce que c'est toi qui gère la fortune publique. Je suis fonctionnaire d'imam. Mon ami, j'ai quitté le Cameroun depuis des années. Je vois chaque temps, tu me dis que tu as pris là. On a ouvert une enquête pour connaître. Eh hey, monsieur, je n'ai pas peur de ça. Laisse ça sur le trafic d'influence. Tu m'intimides pas. Mettez ça en vigueur d'abord, on voit. Sur le trafic d'influence, vous intimidez les gens. C'est vous que ça va prendre. C'est vous que ça va prendre. Tu vois un commissaire sur le terrain de 50 millions. Son salaire, c'est combien? Tu vois un procureur sur le. Pourquoi il se cache? Il part dans les chantiers dans la nuit. Tu as parlé à moi. Dis-moi, je suis un garçon wise. Ne tente pas. Ne tente pas, dis-moi. Tant que tu me dis à moi. Je suis le cas avec ça. Que. Dégage. Dégage ça. Dégage, vous ne connaissez rien. Laisse ça. Laisse ça. On applique la loi. On met en vigueur l'article 66. Qui met le verrou sur ça? C'est là, non? Pourquoi on met le verrou sur ça? Ça va commencer par eux-mêmes le prendre d'abord. Ça va prendre qui? Attends, ok. Viens fouiller là en Indonésie, c'est ce que je fais. Voilà mes produits que je vends. Tu as prouvé quoi? On parle d'un territoire. C'est là-bas dans votre pays que ça a action. Mais oui. Ça a les effets qu'au Cameroun là-bas. Allez vous présenter. Vous êtes là, vous venez au travail hier. Yeah, yeah. Tu vois un gars, agent. Un agent au domaine. Un agent d'État au domaine. Le gars là a gagné la voiture. Tu pars au domaine, tu n'as pas la place pour gagner la voiture. Quelqu'un qui touche 45 000. Quelqu'un touche 45 000. Quelqu'un touche 50 000. Quelqu'un touche 70 000. Il a la voiture de 10 millions. Comment? Donc, et c'est moi que vous. Je ne te réponds même pas. Je ne te réponds pas. D'abord, ça devient une affaire personnelle. Voilà. Arrête ça, dis donc. On voit les gars qui voyagent, ils ne sont même pas cultivés. C'est le trafic d'un. Vous ne me faites rien. Mais non, on va bloquer ta voiture ici, là, ça va faire tel nombre de temps. Je m'en fous de toi. Je vous fais cadeau de ça. Mon ami, attendez. Je suis pressé de sortir de mon pays. Je pars où? Je suis dans mon pays, tu me parles quoi là? You send me for Ngata, our dame, our common one day. You send me for cellulo. Mais dis-moi, our common one day, dis-moi, on va continuer, dis-moi. On est pressé pour rentrer quand on est dehors. Attends, je suis pressé, comment vous partez où? Je vois les gens, les mains en cellulo. J'ai payé 2 millions, moi. Tu me mets là-bas, je me couche, je dors. Même quand ils m'ont arrêté, ils m'ont tabassé là. Je n'ai plus jamais dormi comme ça. Bien bon, c'est la douleur qui me faisait dormir. Mais j'ai dormi parce que, mon ami, je suis dans mon pays. Ils sont en pays, ouais. J'ai besoin de ça. Je ne couais pas où. Donc, j'étais dehors dans les chez les autres. Ici, là, j'ai la pression pour rentrer au Cameroun. Donc, je suis au Cameroun, j'ai encore la pression pour rentrer chez moi, dans une cellule. Je n'ai pas, mon ami. La prison, c'est pour les hommes. La cellule, c'est pour les hommes. Et tout ça est de passage. Il y a un seul mot que les paresseux ne savent pas. La fin. Tout a une fin. Tout ce que tu tournes là, mon ami. Tout a une fin. Pourvu que je ne meure pas. Et si tu verses mon sang, tu vas lire l'heure. Il y a des gens qu'on ne verse pas le sang, mon frère. Tu vas voir l'impact de ça sur ta vie. Négatif. Tes petits-enfants, arrière-arrière petits-enfants, ils vont accoucher les Mongols.
Les enfants maudits, petits enfants maudits, c'est comme ça. Parce que tu as touché un enfant de Dieu. C'est comme ça. Tu as touché un boy plein. Il est malade. Je suis le cas avec ça. Tu as les mounas, bobo. Ils veulent tout. C'est comme s'ils sont sérieux. Voilà les gens que le père a tout, qui a tout donné. Aujourd'hui, ils sont jaloux. Voilà Francine Ganou. C'est le fils d'un pauvre. Toi, tu es quoi? Francine Ganou, c'est le fils d'un pauvre. Toi, tu es quoi? Toi, tu es quoi? Samuel et toi-même, c'est le fils d'un pauvre. Même comme beaucoup de ne connaissent pas, afin de dévier, on remplit pour son temps. Parce que parfois, il faut aussi accepter. Hein? Parfois, ils n'ont rien dans la tête. C'est vrai. Parfois, on dit que non, Francine Ganou n'a pas fait comme ça. Il devait dire comme ça. Oui, mais attendez, vrai, vrai. Vous dites, est-ce qu'ils ont vécu? Être champion du monde ne veut pas dire qu'on a vécu. Non, 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 fais attention. Être champion du monde ne veut pas dire qu'on est cultivé. Non. Avec le temps. Non, bien sûr. Les gens pensent que c'est tout le monde qui est cultivé. Non, 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 c'est pas tout le monde qui est cultivé. Hein. Nous, on se trompe trop. Nous, on se trompe trop. Oh, tel a fait comme ça. Tel est ceci, cela. Non, non, non. Beaucoup n'ont pas le niveau de compréhension. Hein. Et la compréhension, c'est une grâce. Hein. Voilà. La compétence, c'est autre chose. Mais la compréhension, c'est une grâce. C'est une grâce. Voilà. Il y a des gens que tu vas voir là. Ils sont bardés de diplômes. Ils sont bardés de titres. Mais le jour que tu causes avec eux, tu comprends que celui-ci ne comprend rien. Voilà, voilà. Il a la compétence, mais la compréhension, c'est une autre chose. Hein. Comprendre lui-même, soi-même, l'impact qu'on a sur les autres, peut comprendre ça. Voilà, voilà pourquoi vous voyez souvent certaines personnes, on te dit que c'est un génie. Il a le talent, tout et tout. Mais il faut voir les actes qu'il pose. Ça ne ressemble pas à ce que, à ce que lui-même il reflète. Mais quand tu comprends, tu as compris. Ah, quand tu comprends, tu as compris, petit. Ton petit frère, l'a mis-tu au front. Et c'est ça. Tous ces gens-là, c'est des jongleurs. Nous tous sommes jongleurs dehors. Il faut jongler. Tu jongles, tu t'en sors. Voilà. Quand on dit jongler, ça veut dire que ne dors pas. Tu vas dormir un jour. Tu comprends, non? Tu vas dormir un jour. Il n'est jamais trop tard. Sois malin. Voilà, sois malin. Voilà. Sois seulement malin et sois sage. Et sois toujours prêt. Le matin, tu te lèves, tu te laves, tu t'habilles. On ne sait jamais. Tu ne connais pas la direction du vent. Voilà. Tu ne connais pas là où ta part va sortir. Il faut tout avoir espoir. Même si tu n'as pas de papier. Même si tu n'as pas de papier, sois toujours prêt à sortir dans ta vie. Balade-toi. Voilà. Quand tu as tes 5 francs, arrête de boire. La boisson ne fuit pas. Comment tu peux même boire alors que tu n'as pas de papier? Comment tu peux boire alors que tu n'as pas de papier? Tu n'as pas de papier, tu bois comment? Comment tu peux avoir l'appétit alors que tu n'as pas de papier? Ton avenir ne t'inquiète pas. Mais ton avenir devrait t'inquiéter, mon frère. Ton avenir doit t'inquiéter. Tu n'as pas de papier. Le temps passe, tu es en train de vieillir. Tu penses à quoi? Il faut être malin, mon frère. Il faut avoir les regrets parfois. Parfois, il faut avoir les regrets pour que Dieu ait pitié de toi. Tu comprends, non? Quand on dit les regrets, n'est pas de te faire humilier devant les gens, non. Les regrets, c'est dans ta chambre. Tu te nies. Tu parles avec toi-même. Tu demandes au Seigneur, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi il te retarde? C'est très important. Voilà, les regrets. Voilà. Il faut avoir les regrets dans la vie. Ouais, un peu, hein. La vie, c'est ça. Je suis là, je me bats comme je peux. Ça va aller. Ça va aller. Last Christmas. Appelle-moi Mbanga, arrête de m'appeler. Comment tu dis que Longue était mon ami? Longue, c'est mon frère. Comment tu peux dire que c'est mon ami? Longue, c'est mon frère. Faut pas. Tu vois un peu, non? Voilà. Longue, c'est mon frère. Faut pas voir la vie. Ne confondez pas la vie. La vie, c'est la vie des stars n'est pas comme la vie des gens comme vous là. On est élevé à un certain niveau de la vie. Tu vois un peu, non? Voilà. Longue, c'est mon frère. Tu vois un peu? Voilà. Il y a les débats qu'il faut passer sur ça. Il faut prendre de la hauteur. Tu vois un peu? Voilà. Ton frère peut te titiller. Voilà, parfois, ton frère peut te titiller. Voilà.
tu prends ça comme ça, tu passes sur ça, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est peut-être le jour où ton frère prend sa caméra, il tire sur toi, vrai, vrai. Hein? Voilà, et puis là, tu sais que bon. Le reste là, c'est mon frère, mon frère. Notre histoire n'est pas une petite histoire. Hein? Tu connais ce qu'on a eu dans la vie. Voilà, ça veut dire que si on mourait, si on devait mourir, on devait mourir ensemble. Tu connais ce que nous, on a vécu, nous deux là. Donc voilà. Dans les plans de notre, le plan de notre assassin, j'ai dit le régime de Yaoundé avait déjà prévu qu'il devait nous finir. Même depuis Yaoundé, on était à un deuil. Depuis Yaoundé, les gens nous ont appelés pour dire que, hé, on croit qu'on vous a arrêté. C'est comment? Et que, ah non, je n'ai pas de problème. Voilà. Donc le jour même qu'on le prend à Bounandjo, c'était prévu qu'on devait nous attendre ensemble. C'est comme moi, ma voiture tombe, ma voiture chauffe. Je rentre à la maison parce que je donne rendez-vous. Je donne rendez-vous à mon mécanicien. Il vient à la maison, il m'appelle. C'est là où je dis à Longue Longue que bon, comme tu vois là, je vais voir mon mécanicien pour qu'il regarde le chauffage là. Il était au Sawa Nouveauté. Comme ça, je rentre à la maison. Quand on m'appelle, que Longue Longue est le problème. Les gens sont là, les gars sont là au quartier. Est-ce que moi je connais? Mais voilà, je viens, je garde ma voiture aussi pour aller prendre le mécanicien qui est venu de l'autre côté, ne connaît pas la maison. Mais voilà qui est en train de rentrer. Et la maison est encerclée. Ma maison est encerclée. Les voitures, les grosses voitures, comme dans la mafia, là, comme vous voyez dans la mafia. Je reste là à distance, je regarde ma maison. Et que, mais c'est même quoi? C'est même avec qui même ça? Je reste à distance. Et puis, eux, ils ont porté la voiture parce que j'ai laissé les clés de la voiture à la maison. Donc, mon ami, à un moment de la vie, on mène les grands combats. Donc, c'est pas les choses à deux balles. Vous savez, c'est quelqu'un qui aime blaguer, c'est quelqu'un qui aime le buzz, en fait. Tu sais, tu peux mener un grand combat avec quelqu'un. Mais lui, il aime la distraction. Il y a des gens qui aiment la distraction. Tu vois un peu. Voilà. Tu sais, l'homme n'est pas parfait, quoi. Il va te dire qu'un Banga Diaspora parle de tout. Mais alors que lui-même, il fait des choses que si tu commences à parler là-bas. Donc, nous, on ne parle pas. Est-ce que nous, on parle? Nous, on ne parle pas. Parce que chacun a ses valeurs. Voilà. Ce qui est ta valeur est une contre-valeur pour une autre personne. Hein? Et ce que tu vois comme une contre-valeur, c'est la valeur de quelqu'un. C'est comme moi, tu me mets dans un forum de porno, je te bloque et puis on aura des problèmes toute la vie. Mais il y a ceux-là que, même dans le forum de discernement, causant ensemble, il va te dire qu'il n'est pas, il se sent mal à l'aise là-bas. Mais tu mets celui-là dans un forum de porno. On m'a mis dans un forum de porno. J'ai vu des numéros que je ne pouvais jamais imaginer. Donc vous voyez, la vie c'est ça. La vie c'est ça. Voilà. Je suis dans un forum de mon quartier, de mon bloc. Là-bas, Bonamou ça dit. L'homme qui partage chaque temps les sauvageries, c'est un monsieur que si je donne son nom, vous allez Wanda. Dans le type-ci. Mais oui, c'est un grand monsieur de Douala, une autorité. Mais c'est lui, il aime les faux trucs. Donc tu vois un peu, dans la vie c'est ça, avec le temps, quand tu deviens un personnage public, c'est l'esprit, hein, c'est pas facile à tout le monde, pas facile. Mais quand tu deviens un personnage public, tu dois prendre de la hauteur. Tu dois prendre de la hauteur. Il y a des gens que ils ont déjà tout le nom du monde, mais il faut tout qu'on parle de chaque jour. C'est comme ça. Il y a des gens qui ont déjà tout le nom du monde entier. Mais on doit tout parler de chaque jour, en bien ou en mal, ils s'en foutent. Non, la vie c'est comme ça. La vie c'est comme ça. Donc les gars, nous on a compris ça. Voilà. Il y a des gens qui aiment la sauvagerie. Il y a des gens qui aiment envoyer les films porno. Il y a des gens qui. Donc c'est ce que eux ils aiment quoi. Voilà. Tu vois un peu. Voilà. Comme avait dit Sankara. Quand il y a des gens qui me connaissent plus que tout le monde. Voilà. Donc Longue n'est pas quelqu'un que on va venir. Non. On se connaît. Voilà, on se connaît. C'est pas parce qu'il a dit que vous qui êtes là-bas, mais lui-même là, son âme vient nous, c'est pas Mbeng. Quand on parle de soutien, c'est pas Mbeng qui nous soutient, nous tous. Les gens du Cameroun vont te donner quoi? Non. Il y a des gens qu'on voit, on prend comme ça aussi. Donc la vie, c'est ça. N'oubliez pas que le combat aussi, ça traumatise. Hein? Ah oui, le combat traumatise. Hein? Le combat traumatise. Et puis voilà. C'est comme ça la vie. Et puis, chaque personnage public a son défaut. Il y a des gens, non, ils ont ce qu'on appelle la boulimie de la visibilité.
comme la boulimie du pouvoir. Quand j'ai parlé de ça aujourd'hui, quelqu'un m'a dit que, mais, ah, tu veux parler quoi là? On ne parle pas. Ce n'est pas une affaire de visibilité. Il y a des gens qui ont la visibilité déjà. Mais, le problème, c'est qu'on doit toujours parler de chaque temps. On doit toujours parler de chaque temps. De bien ou en mal. C'est comme ça la vie. C'est ce que vous ne pouvez pas comprendre. Paul vient au pouvoir, non? Il peut laisser, non? Mais les gars, on appelle ça la boulimie. Donc tu as le monopole. Tu séquestres sur le pouvoir, ça t'appartient. Voilà, tu veux que c'est de toi qu'on parle. Il y a des gens comme ça. Voilà, il y a des gens comme ça. J'ai parlé de la boulimie, une femme vient me dire là que non, la boulimie, tu ne comprends pas, ce n'est pas ton niveau. On n'a pas le même niveau de tempérament. Il y a ceux-là que si tu appelles son nom, il va gâter tout. Il va dire que mais mon ami me parle ça. Mais oui, et c'est pourquoi j'adore le comportement de l'autre, de Vassero. De Vassero, c'est pas facile. Il faut élever l'esprit en fait. Et beaucoup, on n'a pas le même niveau de compréhension. Moi, je n'ai pas eu la grâce, je n'ai pas eu cette chance d'aller loin à l'école. Mais je me pose souvent la question que, mais pourquoi quand je parle moi-même, je comprends que, y a un esprit en moi. Quand je parle, est-ce que si on te dit que Mbanga, il n'a que fait le premier cycle au lycée et puis il a arrêté, tu peux imaginer. C'est parce que j'étais un garçon brave à l'école. Il y a aussi des gens qu'il faut les prendre comme ça. Il y a des personnes qui ont la compétence, mais qui n'ont pas, qui ont un, parce que qu'est-ce qui nous tient en fait? C'est la compréhension. Tu peux tout faire. Tu peux avoir tous les titres du monde. Si c'est moi, à la place d'un gars comme les Francine Ngannou, attendez, Paul Biya ne me reçoit pas en tant que champion du monde. C'est Franck Biya qui me reçoit. Tu peux pas l'en vouloir. Tu peux pas. Il n'a pas la compréhension. La compréhension vient d'où? C'est là. Ici. C'est ça, en fait. Voilà, c'est comme ça. Mais tu vas voir que quand il n'est pas champion du monde, mais il a des principes bizarres. Mais oui, des principes bizarres. Donc, c'est comme ça la vie. Donc, prenez de la hauteur. Être un personnage public, ce n'est pas facile. Hein? Ça se travaille. Hein? Ça se travaille. Il y a trop de tentations, il y a trop de choses bizarres. Même. C'est les esprits, en fait. C'est les esprits. Le combat que nous mène là, ce n'est pas... Tu sais, dans la vie, connais que pendant que tu es en train de faire quelque chose de sérieux, il y a toi un ami qui va être là pour te distraire. Mais il est important dans le combat. Il y a des gens comme ça qui aiment jouer. Quel que soit leur âge, ils aiment blaguer, ils aiment jouer. Voilà. Et c'est avec longueur que j'ai compris que Dieu ne donne pas tout à quelqu'un dans la vie. Voilà. Dieu ne donne pas tout à quelqu'un. Et parmi les artistes, c'est celui-là qui peut tout tendre la main à quelqu'un. C'est tout. La seule chose, c'est que si on peut orienter son esprit, c'est la seule prière que je prie pour lui. Si c'est un gars qu'on a orienté son esprit, moi, c'est qu'il n'y a pas un artiste qui peut parler à longueur. Wallah Bial. Personne ne peut parler à longueur. Tu vas t'asseoir. En argent même. Mais oui, c'est tout. Mais hélas, il ne faut pas en vouloir. Hein. C'est un orphelin. Un orphelin, c'est un orphelin. Voilà, les orphelins ont les qualités. Ils ont aussi les défauts. Même moi-même là. Voilà. Même moi-même qui parle là. Moi-même, j'ai mes défauts. Je m'énerve très vite. Je pardonne difficilement. Voilà, je m'énerve très vite. Je pardonne difficilement. Chacun ses défauts. Voilà. Je m'énerve très vite. Je pardonne difficilement. Voilà. Alors que un homme, c'est pas ça. Là, il faut beaucoup faire attention. J'aime trop la perfection. Alors que it cannot be like that, bro. It can't be like that. No one can be perfect. No one can be perfect. J'adore la perfection. J'aime faire ma chose seule. Pourquoi en confiant quelqu'un, j'ai peur que ça va rater. Donc la vie, c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. Dans l'histoire de Longa Mbanga Diaspora, ce n'est pas ce que vous pensez. Voilà. Et puis, comme j'ai toujours dit, c'est ça les amis. On n'est pas obligé d'être ensemble chaque jour. Voilà. Un ami, c'est ça. J'ai toujours appris à me battre. Voilà. Je connais te laisser là, mon ami. Je dis que bon gars, on tape même un an, on ne se voit pas. On tape même deux ans, on ne se voit pas. Quand il y a un problème, je ne viens pas courir sur la toile. Je t'appelle d'abord, c'est ça. Je suis un grand. C'est ça la grandeur. Alors, tu vois un peu, c'est les petites personnes qui vont venir là. Tu es un rapporteur. On t'a dit que ça me gêne à quoi? C'est ça la vie de star. C'est ça la vie de personnage public. Si tu n'es pas fort, si tu es un pleureur, il ne faut pas devenir un personnage public. Désolé. Ouais. Voilà. Tu dois être sérieux peut-être à la quatrième fois.
À la deuxième fois, à la cinquième fois, c'est là où tu vas dire que, hey, mais mon ami, ce que nous on combat est au-dessus de notre personne. Et tu vois un peu, ce que nous on combat, ce que nous on défend est au-dessus de notre personne. Voilà, ce que nous on combat est au-dessus de notre personne. Donc tu ne vas pas t'asseoir là et puis voilà. Parce qu'on a dit quelque chose, tu cries comme si tu veux mourir. Non, non, non. C'est pas comme ça. Il faut être fort. Tu vois un peu. Voilà, il faut être fort. C'est ça. Les gens, si les politiciens, l'autre porte son frère, il tape en prison. Voilà, 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 voilà la vie. La vie, c'est la politique. Voilà aujourd'hui la réconciliation. Voilà Ouattara qui a tout fait. On a envoyé Gbagbo à la haie. Les innocents sont morts. Aujourd'hui, ils sont ensemble, ils sont réconciliés. L'autre est entré dans tous ses droits. L'autre a remis tous ses droits à Ouattara, à Gbagbo. Combien de fois nous on est quoi? Nous on est quoi? Nous on est quoi? Pourquoi? Parce que tel a dit que. Non, c'est des conneries. Si tu veux, si tu es petit d'esprit, ne cherche pas à devenir un personnage public. Voilà. Donc, si tu es petit d'esprit, ne cherche pas. Même le combat ne te mêle même pas. Ah, le leadership, non, non, non. Le leadership, non, non, non. Dans un combat, tu dois apprendre à connaître le caractère de chacun. Comme j'ai dit, il y a des gens qui ont ce qu'on appelle la boulimie de la visibilité. Pas qu'il est mauvais, c'est son défaut à lui. Voilà. Si on commence à parler trop de Valsero, ça fait un problème. Voilà. Il va venir te dire, tu t'occupes de tout. Après, lui-même, il a dit aujourd'hui que moi-même, je n'ai pas ma vie. Je lui ai dit, monsieur, tu n'as pas ta vie. Quel est ton problème? Chacun a son concept. Chacun a son concept. Tu mets les parents des gens en genoux, tu les farouches. Moi, je vois, je ne dis rien. Alors que moi, ce sont des mœurs que je ne partage pas. c'est ce que moi, je ne partage pas. Tu dis que tu choisis un gars, tu donnes 100 000. Tu donnes 100 000, tu chicotes. C'est des choses que moi, je ne dirai jamais. Jamais. Il y a beaucoup de personnes qui le font, mais qui ne le diront jamais. Bah, ce n'est pas les choses qu'on partage. Quand on a une personnalité. Est-ce que nous, on parle de ça? Non, on ne parle pas. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit ça. Mais oui. Voilà. Non, je lui ai dit ça que mon ami, tu veux me conseiller. Tu n'étais pas ta patte. Non, ne me conseille pas, Diman. Chacun a sa vision. Voilà. On mène un combat, mais chacun a ses besoins, chacun a ses envies. C'est tout. Peut-être on a la même idéologie, le combat, mais chacun a ses habitudes. Voilà. Chacun a ses habitudes, chacun a ses envies. Donc la vie, c'est comme ça. Donc ne t'assois plus là, tu m'appelles. Oh, Banga, tu as fait comme ça. Oh, tu as dit que. Non, non, non. Voilà. C'est ça la vie en fait. Donc, on n'a pas un problème. Tu vois un peu, on n'a pas un problème. On n'a pas un problème. Nous sommes des grands messieurs, nous sommes des grands garçons. On a fait la cellule, on nous a trop tapé. Voilà. On nous a tapé parce que on mène un combat qui est trop grand. On mène un combat qui est trop grand et qui est au-dessus de notre personne. Et puis quelqu'un pouvait mourir là-bas. Voilà, quelqu'un pouvait mourir là-bas. On pouvait taper quelqu'un, quelqu'un meurt. C'est l'un de nous qui pouvait être témoin, qui devait être témoin. Si on était mort à la cellule là-bas, ou bien quelqu'un de nous était mort, c'est quelqu'un qui devait être témoin. Voilà. Donc même si un jour on écrit l'histoire, on doit tout nous mélanger quand on était en cellule, quand on nous a tapé. Que où sont les armes, où est l'argent qu'on vous a donné de déstabiliser le Cameroun. Tout et tout, voilà. Donc ce n'est pas le temps de venir discuter n'importe quoi, les gars. Donc voilà. Ok, donc il faut prendre de la hauteur, ne vous égarez pas. Et ne faites pas les fausses comparaisons. Chacun a ses qualités, chacun a ses valeurs. Et chacun a quelque chose qu'on a besoin dans le combat. Donc c'est le temps d'unir les forces. Voilà. Parce que l'adversaire, il veut ça en fait. Il veut que les gens se séparent. Et puis ce n'est pas le temps pour ça. Voilà, parce que nous sommes tous des pauvres. Le vrai agent, c'est les gens des Toudou qui mangent. Nous on n'a rien. Nous on n'a rien. Voilà. Si on veut se tuer encore une fois, avec qu'on est tombé dans le piège de ces gens-là, qui veut qu'on se détruise. Donc voilà. Et c'est aussi à vous de connaître et jouer les fausses comparaisons qui n'ont pas de place. Voilà. Et parce que le grand gagnant, si on se détruit, c'est l'adversaire, c'est celui-là qui est au pouvoir depuis 42 ans.
Voilà. Vois un peu, non? Voilà. Donc, ce sera lui le grand gagnant. Donc, parfois, vous faites des rapportages, vous apportez autrement. Et comme nous, on est préparé psychologiquement et spirituellement. Et puis, bon, on passe. Ce n'est pas le temps de comparaison. Que tu as quoi, tu es qui, non? On s'en fout. Donc, voilà. Dieu n'est pas fait. Sur ce, vous passez une bonne soirée, voilà. Que le Seigneur vous protège. Et c'est Mara qui gagne. Et c'est le Cameroun aussi qui gagne. C'est la diaspora qui gagne. On est ensemble. Et puis, je veux aussi dire, passer un message en Zumanto. Zumanto, la dernière fois, tu as pris une vidéo sur ma page. Et tu as balancé quand il y avait eu un problème là-bas à Dakar. À Dakar là-bas, au Nouveau Florida. Ça, c'est l'immeuble d'un ami à moi, d'un grand frère à moi qui était ici là, de Nouveau Florida là. Et tu es parti prendre là-bas, tu as dit qu'il y a tous les petites filles là-bas. Parfois aussi, l'autre se fâche. Parce que vous savez, dans la vie, quand on mène un combat et puis tu te rends compte que on ne demande pas de couvrir celui-là qui partage la même idéologie avec toi, qui partage le même leader avec toi. Mais on te dit de prendre le temps de chercher l'information, c'est très important. C'est très important. Voilà. Tu vois, les gens souvent plient le doigt sur toi. Pourquoi? Parce que il faut souvent chercher à connaître l'information. Justement, toi, tu pouvais m'appeler, tu me dis, grand frère, c'est comment? La vidéo aussi là, qu'est-ce que Longuet fait là-bas avec les enfants? C'est moi qui suis en train de filmer la vidéo. Mais tu as dit que Longuet est tout là où il y a les... Bon, je me souviens plus ce que tu avais écrit. Ce n'est pas bien. L'autre joue encore. Voilà le même Longuet. Il est en train de se faire agresser. Il se fait agresser par une femme. Subitement, tu dis là que voilà un homme qu'il faut qu'on neutralise. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Quand on partage la même idéologie, et quand c'est ton camp, il faut prendre le temps avant de réagir. On ne te demande pas qu'on te soudoie. Non. On ne te demande pas de ne pas faire ton travail. Il faut faire ton travail. Mais quand il s'agit de toi, nous sommes l'opposition. Parce que même le camp d'en face ne sacrifie pas leurs membres n'importe comment. Non. Si on m'apporte un dossier, que c'est un jumento, je dois chercher à savoir, à voir la lumière sur ça. On ne tire pas n'importe comment. Tout ce qu'on combat dans la vie, n'oublions pas qu'il y a des gens qui ont fait ça avant nous. Avant nous, qui ont pris les risques. Avant nous. La vie, c'est comme ça. Longuet n'est pas n'importe qui dans ce combat. Longuet n'est pas n'importe qui. Longuet n'est pas n'importe qui. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Chacun peut un jour tourner sa veste. Mais pour l'instant, il n'est pas n'importe qui. Donc, ce n'est pas parce que il est en train de se faire brutaliser par une femme. Après le lendemain, on voit sur ta page, c'est lui qui est coupable. Que ce monsieur, il faut le neutraliser. Il ne doit plus vivre sa vie. Il doit vivre sa vie, non? Il doit vivre sa vie. Donc, c'est pour dire, tant c'est ton nom, regardez les... Voilà, depuis les années, on crie là. Nganou Ndjoumessi, il n'y a pas de route. On l'a arrêté. Tous les jours là, les Moudiki, CNH, on a arrêté qui? Chaque jour, on crie Ngongo. On l'a arrêté. Pourquoi c'est nous qui allons livrer nos parts de combattants facilement? Pourquoi? Par rapport à quoi? Après, on se rend compte que non, il a tort. Il a raison. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Ça fait des rancunes et ça peut faire ce que l'autre se sente frustré. Mais oui. Chacun a son ego. Hein. Chacun a son ego. Moi, j'ai connu la pureur de Mbanga. J'ai connu la pureur de Mbanga. La pureur de Mbanga, quand tu venais devant lui là, n'importe comment, monsieur, il te met loin. Hey, mon ami, tu t'amuses, l'insolence, il te met loin, il te met du monde. Mais oui. Parce que quelqu'un qui a mené un combat avant certaines personnes, on leur doit le respect. Surtout quand ils sont encore dans le combat. Malgré parfois, peut-être les erreurs qu'ils font. Voilà, comme on dit, nul n'est parfait. Il faut quand même avoir le droit de réserve.
C'est entre eux là-bas. On voit les gendarmes. Les gendarmes qui exécutent les gens. Mais qui ont la promotion. On voit les sous-préfets. Qu'on ne sait pas comment. On, ou bien c'est l'accident. On, ou bien c'est l'accident. On, tue la copine. Ils sont en liberté. Comment? Comment? C'est comment? Le combat, c'est la stratégie. Le combat, c'est aussi les alliés. On ne demande pas à nos éléments, aux combattants d'aller faire du mal. Non, on va te trahir, on va te mettre sur la lumière. On va te finger automatiquement. Mais il faut chercher à connaître l'information. C'est comme l'autre jour quand j'ai vu la photo de Longuin. Une femme qui l'attache, qui l'arrête. Comment une femme qui est partie agresser un homme, quelle que soit la raison, tu peux agresser un homme. Après, on filme l'œil qui est gonflé. Mais ça peut être que dans le désordre, dans tout ce désordre-là, peut-être le doigt est passé dans les yeux, ça a gonflé. Et ça ne fait pas de l'homme de Longuin le coupable. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Prenons parfois le temps. C'est très important. Le combat, c'est les alliés. Voilà, c'est les alliés. Parce que s'il n'y a plus d'alliés, on ne peut pas combattre seul. Hein. Voilà. S'il n'y a plus d'alliés, on ne peut plus on peut pas combattre seul. Donc faisons beaucoup attention. Voilà. Faisons beaucoup attention. Évitons d'être les activistes en charge. Voilà. Voilà. À faire des publications en charge. En fait, souvent les publications, oui, dénonçons, oui. Mais restons lucides et neutres. C'est très important. Donc voilà. Non, 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 on a causé ensemble. On a causé ensemble ce matin. Tout ce que voulait dire à mon frère Jumanto. Le combat, c'est les alliés. Méfions-nous. Je sais que beaucoup de combattants n'ont pas compris la stratégie. Regardez en face. Voilà, nous, on a les fins politiciens en face de RDPC. C'est une machine politique. Ils ont les moyens de la politique. Ils ont l'argent, ils ont tout. Mais ils ne livrent pas leurs éléments n'importe comment. Depuis qu'on crie là comme ça, là, vous avez là, vu le RDPC livrer leur ministre. Parce qu'on a crié. Non. C'est quand eux, ils n'ont plus besoin de lui. C'est quand ils n'ont plus besoin de lui qu'ils le mettent de côté. On te garde là. Pour satisfaire leurs sales besognes. Quand les gens vont crier. Wou, 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 wou. Toutes les arrestations du RDPC. C'est pour faire calmer la fureur de la foule. C'est tout. Le régime de M. Biya n'arrête pas un ministre parce que vous avez demandé qu'on l'arrête. Non. Il arrête pour satisfaire la masse. Comme les Iya Mohamed. Au moment de Iya Mohamed, tout le monde voulait sa tête. Ça a fait polémique. On l'a d'abord envoyé au quartier. Tout. On te laisse tuer là. On te laisse tuer là. Même chose pour Ngongo. Même chose pour Ngongo. Ils t'arrêtent le jour qu'ils n'ont plus besoin de toi. Pas parce que le peuple n'a plus besoin de toi. Ils s'en foutent. Donc nous aussi, faisons aussi comme les politiciens qui sont en face de nous. Arrêtons d'afficher un combattant pour les sales choses, pour les petites choses. Arrêtez ça. Sinon, nous serons la cause même de la destruction du combat. Mais oui, pour une petite chose, il y a les gens, il y a beaucoup de choses. On m'envoie souvent certaines choses. Je passe tout ça. Mais oui. Parce que je ne vois pas le but de dénoncer ça. Ça ne m'intéresse pas. Mais oui. Mais c'est comme l'affaire de Bobda. Il fallait dénoncer. Bah là, c'est grave. C'est grave. Mais les affaires parfois là, qu'entre deux personnes là. Entre deux personnes. Attendez, vous êtes consentant. Que vous avez discuté au quartier. Ça me sert à quoi? Mais allez, va porter plainte. Va porter plainte. Parce que nous sommes les alliés. Même si on ne parle pas ensemble, nous on connaît nos alliés. Ils sont nombreux là sur la toile. On peut déjà dire que bon, Banga Diaspora, voilà son côté. On peut déjà te dire que tel côté c'est tel. On connaît. On doit être réservé. Utiliser beaucoup de tact et de stratégie. La politique c'est la stratégie, ce n'est pas la guerre. La politique est comme le fol. J'ai toujours dit ça. J'ai suivi une vidéo là hier, quelqu'un qui disait que la politique c'est le banditisme. Oui, la politique c'est le banditisme. Un bon bandit peut être un bon politicien. D'abord, c'est pourquoi c'est la mafia, non? Mais oui, c'est la mafia. La politique c'est le banditisme.
L'art de bien parler. Quand il le faut. L'art de connaître mentir. Même pour bien faire, il faut mentir. Un politicien ment pour bien faire. Parce qu'il y a des choses que si tu dévoiles que tu vas bien faire, on ne te donnera jamais la chance de gouverner. Comment tu vas libérer? Attends, tu vas faire ta campagne au Cameroun devant la France en disant que tu vas supprimer le franc CFA. Tu vas donner une meilleure vie au Cameroun. Hein. Tu vas gouverner les routes. Voilà, il dit là, tu ne seras jamais président du Cameroun. Donc il n'y a que la révolution qui va te mettre là-bas. Voilà pourquoi au Mali, au Niger, c'est les militaires. Ils sont libres de dire ce qu'ils pensent. Ils sont libres de dire ce qu'ils veulent dire. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris le pouvoir avec les armes. Que toi, tu vas venir là. Non. Tu dois montrer à tes patrons de l'Élysée que non. Je dois laisser le peuple là souffrir comme ça là toujours. Pour qu'ils soient derrière toi. Maintenant, à la fin, tu les sentas. Mais oui, la politique, c'est ça. Imaginez, tu veux faire même le don d'un forage. Mais mon ami, il faut mentir que voici, c'est pour faire comme ça là. Parce que tu non, on va t'interdire. Donc les gars, faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention les gars. Donc, faisons beaucoup attention. Voilà. Le combat, c'est les alliés. Et la politique, c'est la stratégie. On ne sacrifie pas tout le monde. Voilà. Parce que même le camp d'en face profite des occasions pour récupérer vos alliés. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Donc faisons beaucoup attention. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous aime. On est ensemble.